Alors, la citation n'est pas de moi, hein. C'est Stéphane Eliès que certains parents connaissent, parce qu'il connaît très très bien le 22Q11, qui a dit que quand on avait un enfant porteur du 22Q11, il fallait partir pour un marathon. Et c'est ça, je pense qu'il faut savoir tenir sur la durée, qu'il faut essayer de ne pas trop se projeter. Ça, c'est pas forcément évident, on apprend à le faire petit à petit. Je pense qu'il faut arriver à maintenir une vie de couple solide. Parce que quand il y en a un qui lâche, il faut que l'autre soit là. Parce que le quotidien est quand même, le quotidien est quand même difficile à gérer. Dans l'attention qu'il demande, il faut être prêt à donner beaucoup et à savoir se reposer, à savoir dire non, à savoir dire, moi là, j'ai besoin de partir 2 jours et de pouvoir partir 2 jours. Donc il faut un couple solide avec beaucoup de liberté aussi, parce qu'il faut savoir s'extraire de la famille, de la cellule familiale à un moment donné, parce que ça demande vraiment beaucoup. Ça, il faut le savoir. Il faut pas hésiter à se faire aider. Moi, après l'annonce du diagnostic, j'ai vu une psychologue pendant 1 an, et j'ai eu besoin à nouveau de voir une psychologue récemment, parce que être parent, c'est déjà compliqué. Être parent d'un enfant différent. Ça demande d'accepter beaucoup de choses, ça demande de pouvoir donner beaucoup et d'être disponible pour soi d'abord, parce que ça sert à rien de s'épuiser, et puis aussi pour les autres membres de la famille.